Bonjour tout le monde, lundi 29 avril, c'est notre 15e étape le long de la Loire. De son embouchure à Saint-Nazaire jusqu'à sa source au mont Gerbier de Jonc en Ardèche, Michel et moi remontons à pied le dernier fleuve sauvage d'Europe, la Loire. Des vignobles enivrants du Val-de-Loire jusqu'au plateau du Velay, en passant par les splendides jardins et châteaux de la Loire, les bocages de la Bourgogne et du Bourbonnais, les pentes escarpées des monts du Forêt. Pendant plusieurs semaines, suivez-nous tous les jours dans cette nouvelle et magnifique aventure. Hier soir, nous avons encore eu une visite très agréable. Merci d'être venu. De Seine-et-Marne. Je vous présente Richard et Nicole. Richard et Nicole habitent à une heure d'ici, c'est-à-dire tout près de chez nous. Et ils ont eu la gentillesse de venir nous voir. Tout près de chez moi, oui. Oui, c'est vrai, oui. Aujourd'hui, nous allons quitter Briare et nous allons à Neuvy-sur-Loire. C'est pas très loin, c'est encore une étape de 14-15 km. Mais avant de faire tous ces kilomètres, on va aller boire un café. Alors, c'était bon? Ah, commencer la journée avec un petit déjeuner. Il est 10h30, et bien c'est parti. Il est temps. Mighty rail, hear my cry, I heard it's true, my worry seems so small today, I heard the chilling news. Mighty rail, my thoughts go out to you and all the mothers who lose their loved ones in the violence too. The thought of losing you. Dans ma vidéo d'hier, je vous avais parlé du pont canal de Briare. Il fait partie du canal latéral à la Loire. C'est un canal long de pratiquement 200 km. Et il y a un dénivelé de 100 mètres. Ce qui fait une moyenne de 50 cm par kilomètre. Il y en a un devant moi qui se marre. À Digoin, ce canal est prolongé par le canal du Centre qui se jette dans la Saône et qui elle-même se jette dans le Rhône. Et à Briare que nous venons de quitter, le canal est prolongé par le canal de Briare puis par le canal du Loing qui se jette dans la Seine à Saint-Mamé. On peut donc imaginer qu'un bateau qui est en mer Méditerranée, par l'intermédiaire de quelques ouvrages et le canal latéral à la Loire, peut remonter la Seine, aller jusqu'au Havre, traverser la Manche et aller jusqu'à Londres. Thank you.
Nous marchions tranquillement avec Michel le long de la Loire, quand soudain, une voiture s'est arrêtée et nous a happé à l'intérieur. On n'a pas pu résister. Oh là là. On s'est débattu, mais rien à faire. Alors, je vous présente Annie, qui nous a kidnappé le long de la Loire. Absolument. Et qui nous invite à manger chez elle. Tout à fait. En plus, Annie tient le gîte d'étape, la Malicorne. La Malicorne, oui. À Bonny. Alors, si vous passez dans le coin, vous faites du vélo, de la randonnée, de l'hélicoptère, enfin tout ce que vous voulez, bah, vous arrêtez là. Il n'y a pas de souci, ils peuvent s'arrêter. Et là, je vous présente Nadine. Alors Nadine, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ah oui, t'avais 5 ans quand je t'ai connue. Ah, donc, en culotte courte. Hein. Il y a quelques années, oui. Ouais, oui, oui. Quand tu venais en vacances chez ta mémé, à côté de chez moi. Mais oui, oui, c'est oui, vrai. Oui, tout à fait. Tes parents habitaient en face de chez mes grands-parents. C'est une belle rencontre. Et ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vus, hein? Ouais, une trentaine plus, d'années, hein. Hein, ouais, ouais. Oh, facile. Ouais. Ce matin, il y a une dame qui s'appelle Annie qui nous a kidnappés. Et cet après-midi, c'est nous qui la kidnappons. On l'emmène avec nous jusqu'au prochain village. Cette borne indique le changement de département. Nous étions dans le département du Loiret et donc dans la région centre-Val de Loire. Et maintenant, nous sommes dans le département de la Nièvre et dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Annie vient de repartir. Nous venons d'arriver dans la commune de Neuvy-sur-Loire, un village d'environ 1500 habitants. Nous sommes attendus pour dormir chez des gens que je n'ai pas vus depuis, 15 ou 20 ans. Sur Neuvy-sur-Loire, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, mais ça, je me réserve pour demain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis... tout simplement à demain.